On commence par le plus long, donc par la pâte magique qui a besoin de reposer 1 heure à 2 heures, avec laquelle je vais faire les mini burgers, les mini bagels, les navettes. Pour ça, vous aurez besoin en fait de lait, d'eau, d'huile. J'ai chauffé l'eau et le lait dans lequel je vais laisser pousser donc la levure sèche avec du sucre. Et ensuite, je vais rajouter donc des petits Suisses, si vous avez du yaourt nature ou comme moi, des petits Suisses, fromage blanc. Ça variera en fonction. Si c'est du yaourt grec, il faudra juste ajuster la farine. Vous arrêtez au bon moment parce que je sais que le fromage blanc, ça absorbe un peu plus que le yaourt grec. Donc, vraiment, les pâtes dans lesquelles on rajoute soit du yaourt grec, soit du fromage blanc, c'est vraiment les meilleures, c'est les plus moelleuses. Elles sont bien aérées et on peut faire ce qu'on veut avec, donc soit de la pizza, soit des hamburgers. Voilà, on obtient des pâtes vraiment bien molles. Ensuite, on va rajouter du blanc d'œuf. Donc, on ne jette pas le jaune puisqu'on s'en servira pour dorer nos burgers, bagels et navettes juste avant la cuisson. Et un sachet de levure chimique que je rajouterai avec la farine. Donc, je commence par mettre ici dans ma guessara. Vous pouvez faire ça au robot. Moi, comme vous savez, j'aime bien faire à la main. Donc, l'eau, le lait. Et je vais y mettre donc la levure sèche et le sucre. Donc, le sucre, ça va aider la levure à gonfler. Je vais laisser pousser une dizaine de minutes et ensuite on ajoutera donc tout le reste des ingrédients. Hop, donc ma levure a bien gonflé, donc elle a moussé. Et je vais rajouter l'huile. Je vais rajouter les petits Suisses. Et là, donc, je vais séparer le blanc des jaunes. Je vais rajouter ici que le blanc. Et les jaunes, je rajouterai un tout petit peu de lait avec pour dorer juste avant d'enfourner. Donc là, j'ai l'eau, le lait, l'huile, donc les petits Suisses. Je vais rajouter donc les blancs d'œufs. Donc là, j'ai à peu près 900 g de farine. C'est à ce moment-là que je rajoute la farine. Je vais rajouter au fur et à mesure. Je m'arrêterai quand j'aurai la bonne consistance. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute la levure chimique et le sel. Donc on rajoute petit à petit, comme je vous disais, en fonction du yaourt que vous avez utilisé. En général, le yaourt grec, il est beaucoup plus crémeux, donc il absorbe moins la farine. Le fromage blanc, c'est un peu plus sec, donc il faudra ajouter moins de farine. Et ça, c'est une recette que vous pouvez utiliser aussi pour le ramadan qui arrive, Inch'Allah. Vous savez, pour tous les buns, les mini pizzas pour le ftour. C'est vraiment les petites recettes à avoir pour se faciliter et pour préparer aussi à l'avance. Vous pouvez préparer vos petits pains, les cuire et les mettre dans des boîtes de congélation, dans des sachets de congélation et sortir chaque soir pour le ftour. Préparer une petite viande à côté ou juste du thon avec de la mayonnaise, des feuilles de salade. Et ça vous fait soit des petits hamburgers, soit des petites navettes, soit des petits bagels avec une petite harira. Donc là, il me reste un petit fond de farine. Je pense que ça suffit pour garder une pâte bien moelleuse. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dirai exactement combien j'ai rajouté de farine. Mais voilà, c'est à peu près la consistance qu'on doit avoir. Donc là j'ai les gants. Donc avec les mains, elle est très collante. mais avec les gants, donc elle est très molle, mais elle colle pas en fait aux mains. Donc voilà la pâte qu'on obtient. Donc c'est pas une pâte, moi perso, qui se décroche du rebord en fait de mon plat. Moi j'aime bien quand je m'arrête à ce stade là en fait, que la pâte est encore collante, parce qu'elle va gonfler, elle va se remplir d'air et elle va durcir un petit peu plus. C'est pour ça que je m'arrête à ce moment là, vraiment pour avoir une pâte bien molle. Donc je recouvre. Je vais saupoudrer avec le restant de farine. Je vais couvrir et je vais laisser poser 1 à 2 heures. Donc si vous êtes pressé, au minimum 1 heure. Si vous avez le temps, un bon 2 heures. Donc, petite astuce pour faire pousser votre pâte, soit vous allumez votre four, vous l'éteignez et vous mettez votre plat dans votre four éteint, chaud, ça va aider à gonfler. Soit vous mettez vraiment plusieurs tissus dessus. Moi, je sais que ma mère avait des tissus spéciaux que pour le pain et ses gâteaux, ses pâtes à brioche, etc. Et elle mettait vraiment plusieurs couches de tissu dessus pour être sûre que sa pâte soit bien au chaud pour lever. Alors moi je vais m'occuper de la bûche, donc on va séparer dans un premier temps les œufs, donc je vais mettre les blancs ici, les jaunes ici, je vais avoir besoin de 4 œufs. Hop. Et de 4, donc j'ai les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Dans les jaunes, je vais mettre du sucre. Pour pouvoir blanchir d'un côté donc les jaunes avec le sucre et monter les blancs en neige. Donc là je vais mettre 100 g à peu près de sucre. Comme ça. Chacune elle aura sa mission. Toi tu vas t'occuper en fait de, si tu veux, soit tu bats les jaunes avec le sucre, soit tu montes les blancs en neige. Comme tu veux. Donc c'est blanc en neige. Tu veux monter le blanc en neige, alors mets-toi ici. Tu prends un robot. Un robot là. Voilà, chacun un robot. Vas-y. Oui. Génial. Bismillah. Bismillah. Et j'appuie là ou là? Tu mets la première vitesse et la fin. Alors, Isa, elle a monté les blancs en neige. C'était trop difficile, j'avais trop mal au bras. C'est vrai, mais ça y est, c'est fini. Enfin. Moi, j'ai monté donc, j'ai blanchi les jaunes avec le sucre. Ouais. Et là, dans les jaunes avec le sucre, on va mettre tout ce qui est farine, maïzena, cacao non sucré. Et on ajoutera ensuite les blancs. Ça fait 50? Ouais. Sérieux? Ouais. Alors, on va en enlever. Ça va doubler un peu? Parce que nous, on veut que 40 grammes. Donc là, c'est bon. 40 g de maïzena. Donc on rajoute celui-ci. Moi, je prends celui d'Auchan. Tu sais que le cacao, c'est le cacao, il fabrique le chocolat. Du chocolat. C'est quoi les Oompa Loompa? Les Oompa Loompa, c'est des petits humains qui fabriquent le chocolat. C'est des petits trolls. Oui, des petits trolls. Oui, c'est des petits trolls. Quoi, c'est des trolls? Ils sont mignons alors. Je crois que c'est des lutins. Ça veut dire qu'ils sont mignons? Je vais tamiser donc la farine. Le cacao. Et là encore la farine. Le cacao. Alors tiens-moi ça. Tu vas le faire. Vas-y. comment on fait pour tamiser? Hop, tu tapes. Donc, tu tapes là sur le côté, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on mélange les jaunes avec ben, les poudres. Les poudres de cacao et les poudres de la farine. Voilà. Et là, si c'est sec, on va commencer à ajouter le blanc. Le blanc pour tout détendre. Et pour que ça soit une bûche parfaite. Ça va être bon, Inch'Allah. Oui, parce que moi, je voulais une bûche au chocolat et maman, elle m'a autorisé. On va faire le chocolat. Et à l'intérieur, on va faire chantilly vanille, toute simple. Ça va être trop bon. Maman. Trop gentil, toi. Donc, petit à petit. Donc on mélange doucement à la marise pour pas faire retomber les blancs. Donc là sur une plaque, donc je mets une feuille de papier sulfurisé. Si vous avez un moule en silicone, vous pouvez aussi mettre directement. Et là, on va verser donc la pâte. Maman, c'est bon, ça va? Ça? Oui, c'est bon, oui. Un pointu ou un normal? Ça sent bon? Oui. Ça sent le chocolat? On dirait que tu l'as fabriqué toi-même. Eh bien, c'est nous, on l'a fabriqué. C'est toi qui as fait les blancs neige, qui a monté les blancs. On a rajouté la farine, on a rajouté le cacao et après, ça fait de la pâte. Oui. Après, c'est grâce à toi, hein? C'est grâce à toi aussi. Non, que à toi. Mais non, c'est grâce à toi aussi. Donc là, j'ai mon biscuit donc, qui est prêt. Je vais l'enfourner à 180 degrés pendant à peu près 11 minutes. Ça a l'air trop bon. Donc, j'ai mon biscuit qui a cuit. Donc là, au bout de 11-12 minutes... Ce que je fais, c'est que je commence par mettre un linge, donc un torchon. Je prends mon biscuit que je retourne. Et là, je vais enlever donc le papier. Et là, on a un biscuit bien moelleux. On peut garder ce papier ou en mettre un autre. Moi, je vais mettre celui-là pour pas gaspiller. Et ce qu'on fait, c'est que pendant que le biscuit est encore chaud, on va rouler. On va rouler le biscuit dans le torchon. Donc là, vous voyez, il se roule facilement. Donc, j'ai commencé à le rouler et il ne se casse pas. Il faut le faire dès qu'il est chaud. Donc on fait tout doucement. Donc là, si je vous montre, donc là c'est juste pour vous montrer que le biscuit ne se casse pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas le cuire trop longtemps. En fait, il ne faut pas avoir un biscuit croustillant parce que sinon il se casse. Donc voilà, je le roule tout doucement. Et je le laisse reposer. Donc là, on va le laisser refroidir. Il va prendre la forme. Et pendant ce temps-là, on va faire toute notre préparation. On va préparer les petits burgers, les petits bagels, les navettes. on obtient une pâte bien moelleuse et qui colle. Là, j'ai les gants, ça colle pas, mais avec les mains, ça colle. Donc, je vais la diviser en trois, puisque je vais faire donc des bagels, des navettes et des burgers. Donc, par contre, je divise à main, je pèse pas. Mais je vais peser quand je vais faire les petites portions individuelles. Je commence par le plus facile, donc je vais faire les petits burgers. Donc là, je ne pars pas sur des mini burgers. Donc je pars sur des petits, mais pas vraiment mini. Donc, je vais essayer de faire des 70 grammes chacun. Là, on est à 70. Pour avoir le dessus bien lisse. Et je mets donc sur le papier sulfurisé. Vous pouvez cuire directement. Moi, je vais les laisser poser un petit 30 minutes de plus. Alors, mes burgers, c'est fait. Je passe au bagel. Je pars sur les mêmes mesures. Donc je pars sur 70. Pour les navettes, je pars sur le même poids. Et pour les confectionner, c'est tout simple. Il suffit juste de les aplatir. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des baguettes à la maison, du pain. Donc on va aplatir un petit peu comme ça. Et ensuite, rabattre sur le centre. Dans la pâte? Oui. Dedans, il n'y a rien? Non, parce que j'avais quelque chose dedans. Ah, t'as mis une bille? Non. T'as mis quoi alors? Une cacahuète? Regarde. C'est quoi? C'est ça. Une boucle d'oreille? Oui. Alors, avec les jaunes qu'on a réservés tout à l'heure, on va dorer nos burgers, nos bagels et les navettes. Vous pouvez rajouter du lait si vous voulez. Je vais en rajouter une toute petite pointe. Les burgers, je vais mettre donc du sésame. Les bagels, je vais mettre des flocons d'avoine. Allez, j'ai sorti donc les petits pains du four. Ils sont bien moelleux, comme vous pouvez voir. Ils sont tout moelleux et on va les couvrir. Alors les bagels, ils ont, quand ils ont cuit, il y a le petit trou là qui s'est bouché. Donc n'hésitez pas à passer, moi j'ai passé le manche en fait de ma cuillère en bois pour bien marquer le trou, parce que je voulais absolument le trou au milieu pour avoir de jolis bagels. Donc voilà, si ça gonfle, n'hésitez pas donc à marquer avec une cuillère en bois, le manche d'une cuillère en bois. Et là, comme vous pouvez voir, tout moelleux. Donc là, je les sors, je vais les laisser sous un torchon qui continue en fait de... continue de devenir moelleux. Voilà, ils vont bien garder la chaleur du four. Hop. On s'occupe maintenant donc de la crème chantilly de notre biscuit. Donc là, sous le chiffon, je sens qu'il est bien moelleux. J'ai mis un fond de crème entière, je vous mettrai les mesures sous la vidéo, comme d'habitude. Et je vais mettre 500 g de mascarpone. On va juste partir sur une chantilly avec du sucre, chantilly mascarpone. Et je mettrai de la pâte à tartiner au chocolat sur le fond de mon biscuit. On part vraiment sur des choses très très simples. Donc l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, voire 3 de sucre glace. Ma crème chantilly donc qui est prête, donc une bonne crème chantilly mascarpone. J'ai mon biscuit, alors là il faut faire doucement pour pas le casser. Et là, comme vous pouvez voir, on a un biscuit qui est bien moelleux, donc même s'il se fissure comme ici par exemple, c'est pas grave parce qu'on va venir le redécorer. Je vais commencer par mettre de la pâte à tartiner. Donc, je vais étaler la pâte à tartiner partout sur le fond. J'essaie d'en mettre un peu partout. Et c'est surtout ce morceau qu'il faut éviter en fait de remettre à plat pour pas que ça se casse en fait. C'est surtout lui qu'il faut éviter de trop manipuler. Et là donc je mets la crème chantilly donc partout. Et on évite d'en mettre trop. Moi j'évite d'en mettre trop à chaque fois parce que quand on va rouler, ça va sortir de partout sinon. Donc j'en mets une couche assez fine, pas trop épaisse. Je vais mettre du torchon. On a un biscuit bien moelleux. Hop. Et là c'est bon, on a roulé donc notre bûche. Moi je coupe dès maintenant, avant de décorer. Et là avec un couteau bien aiguisé, je viens couper donc les côtés. Bon, ça se mange bien sûr et ça se jette pas. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, on prend notre bûche et on essaie de mettre vous savez, l'endroit où se rejoignent les deux bouts en bas pour pas que ça se voit. Donc je centre bien et là, il n'y a plus qu'à décorer. Avec la chantilly qui me reste, je vais juste recouvrir. Et après, vous savez, mettre des coups de fourchette sur le dessus. Les fameuses bûches qu'on trouve en grande surface, mais avec de la crème au beurre. Je vais faire ce style de bûche, toute simple. Hop. Donc j'ai râpé un petit peu de chocolat noir que je mets sur le dessus, donc juste pour décorer. Et notre bûche est prête, voilà, toute simple. Chocolat, donc génoise chocolat et intérieur chantilly mascarpone. Je passe donc au montage de mes petits pains, donc ils ont bien reposé sous le torchon, ils étaient encore bien chauds, donc ils sont bien moelleux. J'ai mes petites navettes, les bagels et les hamburgers là, juste en dessous, bien moelleux. Je vais faire une sauce pour chacun. Donc les bagels, je vais partir sur une sauce au fromage blanc, que je vous avais déjà partagé dans une autre vidéo. Donc je vais y mettre la moitié d'un oignon, du fromage blanc, de la mayonnaise, un petit peu de moutarde, des cornichons. Je vais remplir avec des tranches de saumon fumé. Pour les navettes, je vais mettre du thon, de la mayonnaise, de la crème fraîche, de la moutarde. Et ensuite, pour les hamburgers, je vais partir sur une sauce, je crois qu'on dit une sauce Big Mac, je crois. C'est un mélange de moutarde, de mayo, de ketchup, etc. Donc, je vous montre au fur et à mesure. Je vais commencer donc par les bagels. Je vais émincer un petit peu d'oignon. Donc bien finement. J'y mets donc le petit suisse. Donc si vous avez petit suisse ou fromage blanc, donc une bonne cuillère à soupe ou deux de fromage blanc. Je mets ensuite une bonne cuillère à soupe de mayo, donc du vinaigre. Je vous en avais déjà parlé, donc le vinaigre qu'on trouve dans les boucheries halal. Je mets un petit peu de sel. Donc ça, c'est ma sauce pour le saumon. Là, avec le thon, je vais mettre 2 bonnes cuillères à café de crème fraîche. 2 cuillères à café de mayonnaise, une demi-cuillère à café de moutarde, donc du sel, un petit peu de vinaigre, et j'ai mis du thon à l'huile, donc du thon entier à l'huile. Donc là j'ai ma sauce au fromage blanc qui est prête, le thon pour les navettes, et là je vais faire un style donc de sauce pour hamburger. Je vais mettre une bonne cuillère à café de moutarde, une bonne cuillère à café de mayonnaise, donc 3 bonnes cuillères à café de ketchup, et je vais découper des petits cornichons à l'intérieur. Et ça, ça sera donc ma sauce pour les hamburgers. J'ai ma sauce pour les hamburgers, ma farce ici pour les navettes, et ici ma sauce au yaourt pour les bagels. Les burgers, on va mettre du cheddar dessus. Je vais le remettre à fondre un petit peu. Des tomates, et de la sauce de nouveau. Allez, unanimité pour les bagels au saumon avec la sauce au yaourt. Tu choisis comme moi, Isa? C'était trop bon ça aussi, j'avoue. Ses doigts. Pourquoi il a que deux doigts? C'est un extraterrestre. Ah, maman,